Ok, alors explique-nous comment le raid fait pour tracer des itis et chaque fois il fait moins 40 la nuit. Alors on se base sur les isothermes de la région et on prend les régions les plus froides. On se base en fait sur l'édition de la Suisse où il a fait moins 4 de moyenne sur une semaine. C'était juste pour te dire que je pense pas que la couverture de survie soit super appropriée pour l'aérodynamisme. Mais moi je cours pas. Mais t'as pas prévu de suivre derrière les coureurs? Certainement pas. C'est quoi ta meilleure technique pour te réchauffer? Pour me réchauffer? Ouais. Alors c'est... En gros tu mets les mains dans le slip, tu fais le tour sur toi-même et après tu sautes et c'est bon. Et du coup les gants ça sert à quoi là? De quoi? Les gants c'est pourquoi du coup? Bah c'est une solution temporaire pour tenir le guidon quand même, tu vois. Okay. C'est un peu dur. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Mettre du rouge à lèvres et aller dans une forêt, c'est pour changer d'activité ou pas? Moi je fais ça tous les samedis normalement. D'accord. Du coup quand le raid sera fini, on se retrouve en région parisienne? Bois de Boulogne, c'est ça. Alors pour Allianz, on voulait savoir, est-ce que votre RH vient aujourd'hui? Et carrément, la marque employeur va être là et on va voir ce que ça va être sans leur cravate et sans leurs petites chaussures vernies. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec un nouvel épisode des Campeurs d'Extrême. Soyez prêts. Avec Marcus, on a étudié tous les putains de paramètres pour que tu puisses mettre ta tente dans les meilleures conditions. On te montre ça tout de suite. Avec l'inclinaison de cette pente, l'eau de pluie peut s'écouler sous la tente sans la mouiller. Avec Marcus, on a découvert qu'en cas d'extrême urgence, comme par exemple, si ta tente se met à prendre feu, tu peux t'échapper de ta tente comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on sort d'une tente. C'est également important d'être à côté d'habitations. Comme ça, le matin, tu peux aller chercher des céréales. Et c'est... Avec Marcus, on a étudié un autre paramètre important. Derrière moi, il y a un champ de vaches. On a étudié que la bouse de vache pouvait rendre l'air plus chaud, même si elle puait. Et c'est tout les gars. La semaine prochaine, on verra comment on peut faire du chocolat avec des cordes, un vélo et des cailloux. Allez, à plus! Where was I when the rockets came to life and carried you away into the alligator sky? Even though I'll never know what's up ahead, I'm never letting go, I'm never letting go. Remember to breathe, cause it'll take your breath away when the engines cough and you blast off. Il y a plein de gens qui vous suivent là, faites attention, soyez prudents sur la route. Attention, je pense que vous êtes tout seul. Aujourd'hui, ski. On marche pas, y a pas de neige. Excusez-moi, je pense que vous allez pas très vite là. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait une limitation de vitesse, une panneau de limitation de vitesse limitée à 50. Du coup, on est obligé de restreindre un peu, mais on reprend dès la fin. Bonjour, discrimination des femmes au travail, pour ou contre? Pour, elles courent plus vite que nous, c'est normal qu'être un cahier. Pour? Moi je suis pour. Bah pour évidemment. Pour, on gagne beaucoup trop. Oh.
un truc à chaque étape. À la fin. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour passer dans le film de ce soir ? Nager le crawl dans l'herbe. Je te propose de faire mieux que ça. Macarena. Where was I? Ce soir, votre patron dans la salle, c'est quoi vos revendications ? Plus de raid. Non mais je vais juste te dire que au niveau de mon postérieur, en arrivant c'était plutôt la pub Volvic, bien arrondi, bien beau. Maintenant c'est plutôt la pub Evian, très crantée, très... C'est compliqué quoi, très compliqué. Alors aujourd'hui on a demandé à chaque concurrent s'ils avaient une question pour les suivants, et les suivants y ont répondu. Pour les prochains, moi je veux bien des petits conseils pour passer des nuits reposantes sur ce, pour la dernière journée, parce que moi j'ai du mal. Bah on se serre les uns contre les autres. Est-ce que ce serait possible qu'un staffer me remplace pour juste une partie de trail ? Comme ça on a quand même les points, mais moi j'en ai marre de courir, alors voilà. Faudrait trouver un staffer pour faire ça. Alors, pour courir un peu, ça va pas être possible parce que comme on peut le voir, je suis en béquille et je me suis blessée, donc ça va pas être possible. Bon bah là, on était au fond de la gorge, on y était bien, donc on est resté un petit peu plus longtemps. C'était assez humide, mais c'était pas mal. Puis bon, on a fini par venir ici quand même. Est-ce que tu penses que les mecs de NX, ça leur arrive de courir un peu ou pas ? Alors, je sais pas si vous les avez déjà vus, mais au moment où on les dépasse, les mecs de NX, ils courent pour te refilmer 100 mètres plus loin pour être sûr de t'avoir pile au moment où tu tires le plus la gueule. C'est au fin fond de la Cambrousse auvergnate que nous retrouvons aujourd'hui Christophe, champion régional de Ricochet. Ouais, pour moi les ricochets ça a toujours été ma grande passion. C'est vrai qu'à l'école j'avais pas beaucoup des amis, mais j'avais des cailloux. C'est à l'âge de 12 ans que Christophe a décidé de cesser toute activité scolaire et sociale pour se consacrer complètement à sa passion. Ouais, le plus important pour être champion de ricochet, c'est le choix du caillou. Faut pas que ce soit du caillou mou, faut pas que ce soit du caillou trop dur, faut que ce soit le bon caillou. C'est la larme à l'œil et la voix transie d'émotion que Christophe nous parle de son sport favori. Ouais, j'aime bien quand ça fait ploc, 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 ploc. Malheureusement, au cours d'un de ses entraînements quotidiens, Christophe commet une erreur. En effet, Christophe était connu pour ses gestes techniques et non sa grande précision. Combien de doigts avez-vous perdu cette nuit ? En comptant mes doigts de pied ? Ouais. 9. 9 ? Ouais. Oh. La nuit la plus froide de la semaine. Before I can reach, yeah.
filles, vous me dites. Merci. Hey, how was the day for now? Oh, today was pretty good. The sun is shining. We have beautiful weather, so yeah. What's your favorite way of stretching? My favorite way of stretching? Yes. Like that? Stretch. Oh, yeah, turn and stretch out my heart. Oh, what did you expect? Ça étire quoi exactement? Les fesses. Waouh! Elles sont très très fortes. Bang bang, you're dead. Oh, we're so easily led. Bang bang, you're dead. Put all the rumors to bed. Bang bang, you're dead. Allez, on va partir en expédition. Venez. Comment ça va dans vos trous? Ah, c'est pas mal, c'est confortable. C'est confortable? Vous vous éloignez des prédateurs, c'est ça? Ouais, bon, on est tranquille. Non, tranquille, sinon vous, ils vont piquer votre bouffe, hein. Ah bah, on les garde. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous pour l'instant? Moi, c'est toujours pareil, j'ai toujours pas de voix, donc désolé. Peux-tu nous exprimer tes regrets vis-à-vis de la bande à Joe? Je les ai entendus trois fois depuis le début de la semaine. Une fois au départ, et une fois c'est bien aujourd'hui parce qu'on est parti en premier. Mais sinon jamais. Pourquoi? Parce qu'on est dernier, on est nul, on est lent. Ils nous attendent pas. Bang, bang, you're dead. Oh, it's so easily dead. Bang, bang, you're dead. Ok, es-tu chaud pour un défi de mettre le maximum de bouffe dans ta bouche? Ouais, mais il faut que ça soit un défi, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre en face. Il y a des tartes de chocolat. J'aime les panoramas. Celui-ci est absolument magnifique. Les concurrents arrivent à la grotte, une petite surprise les attend. Ouais, qu'il y a une surprise qui t'attend là-haut. Quelle serait la surprise de tes rêves? Un bon bain chaud. Une femme à poil. Cette petite des néerlandaises. Une badgeuse. Puis insérer mon. Bonjour. Pourquoi? J'ai oublié ma crème solaire. Et c'est bon pour la peau. Genre, je suis parti dans le trail et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal, c'est parce que j'avais ma chaussette droite et ma chaussette gauche, je les ai inversées. Et genre, il y a un pied normalement par chaussette, et je crois que c'est pour ça que j'étais lent et mauvais. C'est pour ça que ça explique pourquoi l'équipe 42 est régulièrement dernière depuis le début de la semaine. Qu'est-ce que t'as vu ?
C'est pas chaussette, c'est silex. Ben moi je croyais que c'était sexe. On cherche les qualités pour décrocher un stage. Alors à votre avis, c'est quoi? Déjà, faut surtout pas être muet. Faut savoir bien parler. Je cherche un stage et j'aime beaucoup le Mikado. Est-ce que votre entreprise pourrait me correspondre? Bah oui, c'est pour votre sécurité. On vous prépare la journée de demain. Donc si t'aimes faire des Mikado, tu peux venir chez Dokever. Attention, c'est l'instant coup de gueule. Alors, on aurait bien aimé avoir des douches chaudes. Pour l'instant, elles étaient froides. S'il vous plaît. Prenez en note, douche chaude. Une bouilloire, donc tu t'es blessé avec une bouilloire. Bah en fait, je lui ai tellement fait du pied qu'elle a un peu trop mouillé et donc ça en a mis partout et donc je suis brûlée du pied. Libérée, délivrée, peut-être un jour ils vont arriver. Bonjour, je cherche un stage. Quelles sont les qualités requises pour être signaleur? Aucune. Nous, tout ce qu'on veut, c'est arriver, arriver à un CP. On n'a plus de tendons, plus de genoux, plus de pieds. Nous, tout ce qu'on veut, c'est arriver, arriver chez les kinés. C'est notre seule chance de reprendre le départ. Quand on arrive au camp, il fait déjà nuit noire. La CRM est finie et on n'a plus d'espoir. Le pâtisse BNP, le saucisson Michelin, le mégot Doc Ever, pour nous il n'y a plus rien. À part le cake et les sandwichs au pain, quand on arrive au camp. Bonjour, je m'appelle Étienne. Ceci est mon curriculum vitae vidéo. J'ai eu mon brevet des collèges l'année dernière, à 23 ans. Je suis compétent. Je l'ai eu avec la mention assez bien. Mais ceci n'est pas ma seule compétence. Je suis également très dynamique. Mais gare à vous, parce que je suis dynamique comme une puce et solide comme un roc. Pan, je vous ai éclaboussé de mon talent. Mais je parle aussi le allemand et le anglais. I am you are. Impressionné, je comprends. N'hésitez pas, contactez-moi au numéro suivant. À bientôt. Two steps forward, one step back with you. On my shoulders, it's not fast, but we'll get... Qui c'est l'ingénieur dans votre équipe? Bah c'est les centraliens hein. Les centraliens? Du coup c'est eux qui vous disent comment faut faire? Exactement, on est à leurs ordres. Je reviens de 3 ans en Somalie, où j'ai passé beaucoup de temps sur les bateaux à pirater les petits Européens qui ont beaucoup d'argent, ça je sais comment on fait. That's the thing about us, we got love, love, love. That's the thing about us, we got love, love, love. If you think you might break, you think you might fall, you think you got nothing at all, but you got us, we got love, love, love. Vous avez l'air tout mouillé, est-ce que vous êtes quand même à l'aise hein? Ouais, on a bien eu la BNP là, c'est bon là. On les a bien mouillés comme on voulait. We got love, love, love. That's the thing about... Alors tu peux nous expliquer ce qui lui arrive? Bah, on n'a pas eu la force de creuser un trou, donc voilà. Et... Ça fait tellement longtemps qu'il y a même les fleurs qui poussent.
vous avez beaucoup couru aujourd'hui ou pas? Alors on vient de compter avec l'équipe et les estimations divergent, mais en gros on a dû courir en cumulé 800 mètres. Mais la marche c'est pas facile. Attention hein. Hey, tu aimes sauter toute la journée? Tu voudrais vider tes poches? Envoie Kangourou au 63099. Kangourou au 63099. Kangourou et réveille ton instinct animal. Hey, tu aimes les endroits sombres et humides? Tu voudrais explorer de nouvelles cavernes? Alors envoie Troglodyte au 63099. Troglodyte au 63099. Troglodyte et les stalagmites n'auront plus aucun secret pour toi. Hey, la forêt profonde te coupe le souffle? Tu avales des kilomètres de nature? Alors envoie Gorge au 63099. Gorge au 63099. Gorge, et tu ne craindras plus la noyade. Mais c'est la séance ici, on va mourir. Tout le monde a fini la CO déjà? Bah nous on a que deux balises pour l'instant. Donc on a pas encore fini. On est derrière NX putain. C'est bien de la course. Aujourd'hui c'était franchement pas mal. Il y avait des beaux outils, des belles portions. Vous êtes prêts pour le CO? Non, on a mal au kiss. Vous êtes pas là pour la course, non? Non, juste des touristes qui se baladent. La balise 107, s'il vous plaît. Vu la configuration du terrain, ça doit être dans le coin, je pense. Tu veux augmenter la rigidité de ta tente? Envoie grosse tente en bois au 63099. Ok, donc bilan de la CO, on a croisé 3 équipes, dont un couple de petits vieux qui n'avaient rien à voir. Si vous deviez résumer la journée en un mot. Trail. C'est pas très original. Everything is awesome.